mandanga manga mandanga manga wendi kwa kuku yinu yinu mandanga manga wendi kwa kuku yinu yinu mandanga manga. Thank you.
Thank you.
Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les sperbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Acclamons la parole de Dieu. Mon cher ami, papa, mon cher enfant, je pense que nous ne sommes pas du tout, malgré que nous pouvons l'imaginer, nous devons être dans ton cœur pour comprendre profondeur de la joie qui est dans ton cœur aujourd'hui. Mais nous essayons de nous imaginer, la joie est immense, qu'elle déborde. Surtout que vous avez eu cette grâce d'avoir une messe pour vous. En compagnie de vos enfants, ceux-là qui étaient là, oui, madame, et de tous tes amis. Vous avez certainement aussi des collaborateurs au niveau du service. On se connaît depuis au moins. Ça fait quand même plus de 25 ans. Et moi, personnellement, je sais que vous êtes un homme de foi. Et c'est avec joie que j'ai accepté de venir me joindre à cette action de grâce en compagnie de mon frère Jacques-Laurent. On revient comme des bombes. On se déplace pas pour rien. On se déplace parce que c'est important. Nous sommes en train de célébrer l'amour de Dieu aujourd'hui. Dans l'exemple de l'Évangile, Marie rend grâce et entend le Magnificat et elle rappelle tous les bienfaits du Seigneur. Non pas seulement pour sa propre vie, mais pour la vie du peuple hébreu tout entier. La première lecture d'ailleurs nous a renvoyé à ce que l'on peut appeler comme une manière pour nous, les gens, de faire voir, de mettre à nu l'amour de Dieu. Mes bien-aimés, voyez quel grand amour
nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous les sommes. C'est l'amour de Dieu que nous venons célébrer. Le Seigneur qui vous donne aujourd'hui de fêter 75 ans. Mais qui croirait cela? Vous êtes encore un peu comme la sève qui est encore verte. On ne vous donnerait pas 75 ans aujourd'hui. Les organisateurs qui sont vos enfants spécialement ont tenu à ce que ce soit le jour même. Vous voulez vous faire cette belle surprise. C'est ces jours-ci que s'accomplissent ces 75 ans. C'est vraiment un grand amour de la part de Dieu. Et en poursuivant la lecture de cet extrait de la première lettre de Saint Jean, il nous invite justement à voir, quand je parle de voir, ce n'est pas seulement avec les yeux, mais spécialement avec le cœur. Des yeux, on passe au cœur et à l'esprit. C'est-à-dire, on embrasse, on fait sien cet amour-là de Dieu. Et raison pour laquelle, justement, un peu plus loin, il dit, n'aimons donc pas seulement, n'aimons donc pas en parole, ni par discours, mais aimons par des actes et en vérité. Cette action de grâce n'est pas tout simplement un rite, mais c'est vraiment la manifestation de l'amour que toi-même et nous tous ici, nous portons notre Dieu et chacun d'entre nous. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et ça, c'est la prière que nous voulons bien faire, non pas seulement à ton intention, mais à l'intention de nous tous ici rassemblés. Que le Seigneur nous donne la grâce de garder ses commandements. C'est ça qui va nous faire avancer en âge, dans la connaissance de Dieu, en marchant à la lumière de notre Dieu. En t'écriant comme Marie a fait, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Toi-même, tes enfants, ta famille, nous tous, nous sommes en train de nous rappeler tout l'amour, tous les actes d'amour que le Seigneur n'a cessé de manifester ou de faire dans ta vie, dans notre vie. Mais spécialement dans ta vie aujourd'hui, parce que toi qui nous rassembles. Et puis s'enfuit pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est un peu comme qui a été de dégrainer les chapelets. Qui passe, qui a été de revoir de quelle manière le Seigneur s'est montré bon envers toi et vis-à-vis de toi. Au sortir de cette Eucharistie, on m'a soufflé à l'oreille qu'on va se retrouver encore quelque part. Et c'est là que nous allons dire à l'intention de tout le monde un petit quelque chose de votre convivialité, de votre vie, depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas tout dire, mais on devra quand même rappeler à l'intention de chacun ce que Dieu a fait de merveilleux par votre main, par votre cœur, par votre bouche. Bien, chers frères et sœurs,
Dans 5 ans, il aura 80 ans. La Bible nous dit que 70 en fait de compte, à 80 c'est un exploit. Donc il a déjà fait, il a déjà dépassé les comptes. Donc la limite autorisée. Lui, il est déjà dans l'extraordinaire. Dans l'extraordinaire. La plupart des gens, je vois que quand je vois un peu tous les visages, vous êtes comme l'aîné. Je vois tous les visages ici. Personne n'a même pas encore atteint les 70 ans, on parle de l'option. Donc vous êtes vraiment dans l'extraordinaire. Et on peut te dire à Dieu merci. Et j'aimerais que, avant de continuer, nous puissions nous lever et applaudir. Voilà. Merci beaucoup. Merci de vous asseoir. Il n'y a pas eu que la grâce de Dieu qui a fait en sorte que aujourd'hui tu sois assis devant l'autel du Seigneur. Mais parce qu'il y a eu aussi de ton côté des sacrifices consentis. Parce que si tu avais été un buveur, comme disait quelqu'un, un buveur de vin, de bière, vous serez peut-être ici avec un morceau de bâton. Mais tu as pu utiliser l'intelligence, la raison que Dieu t'a donnée. Félicitations. Dieu fait son travail, mais nous aussi, nous devons faire notre travail. Chacun de nous a sa part. De cette vie-là que Dieu t'a donnée. Et tu continues à prendre soin de cela grâce aussi au concours des personnes que Dieu place à tes côtés et dans ta vie. Et notre conseil, notre souhait, c'est que tu continues justement à être attentif à ta vie. Il est vrai que l'on peut mourir petit, jeune, mais je crois que Dieu nous a créé pour vivre longtemps. Raison pour laquelle il donne l'intelligence aux hommes, aux chercheurs, pour qu'ils trouvent les moyens d'allonger toujours un peu plus cette vie sur terre. Lorsque la dernière fois, nous sommes venus à Bouma, j'ai dit, il m'a annoncé les 75 ans, j'ai dit, ah, allez, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, sinon, tu aurais déjà dit, c'est ce travail de 10 ans. Bon, il m'a dit, ça là. Bon, vous pouvez prendre un avion, vous pouvez prendre une voiture, vous pouvez prendre un paiement quelque part, visiter, mettre le Congo. Il est encore là au service de la nation. Continue. Ne te décourage pas. Aussi longtemps que Dieu te donnera la force, vas-y tout simplement. Il ne restera plus que la grande récompense. Après les centaines, parce que rendez-vous, quoi, dans 25 ans. Rendez-vous, les personnes. Rendez-vous. Aujourd'hui, on arrive comme à 100 ans, avec la grâce de Dieu, avec un peu l'attention de tous, on y arrive. Moi, la première fois que j'ai vu un centenaire, c'était en Italie. Mais de plus en plus au Congo, on a des centenaires.
Il suffit d'éviter certaines choses. Et surtout, lorsque tu auras pris ta retraite, pourquoi ne pas mettre mort, tu vas ne pas te lever à 5 heures parce que tu vas vouloir compter. Et à nouveau, voilà. Tu es là, tu dors. On a déjà arrangé le petit déjeuner. Après, on va se promener. Si tu ne faut pas rester statique, il faut rester toujours un homme courageux. Et moi, je connais. Il faut rester un peu courageux. Mais ça sera plus avec le même rythme. Il n'y a que le rythme qui va changer. Donc, rendez-vous dans vos 5 ans, tu dis quoi? Mais moi, je veux plus que j'arrive, quand même encore 25 ans. Même si je ne suis pas encore célébré, être debout pour célébrer, tout est là-bas. Donc, nous serons là, rendez-vous 25. En tout cas, merci à chacun d'entre vous ici. Merci aux enfants. J'ai à échanger avec les enfants au téléphone. Tous les enfants sont là présents. Des chers, bienvenue là. Des cœurs et des esprits pour les autres qui ne sont pas là. Les morts ne sont pas morts. On n'a pas besoin de rappeler de mauvais souvenirs. Mais lorsqu'on sait que ceux qui nous ont quittés partagent la félicité, le bonheur de Dieu, alors bien, on n'est pas là pour. On est là que pour rendre grâce à Dieu. Nous sommes en voie, je ne voudrais rien annoncer. Peut-être que cela sera annoncé, mais nous sommes là pour la prière, pour les futurs, les événements à venir. Ils vont nous rendre encore plus heureux, plus contents. Merci donc aux enfants. Merci à maman. Merci à tous ceux qui sont présents ici. Ceux-là que vous connaissez. Ceux-là qui vous connaissent sans que vous les connaissiez. Vous avez eu des professeurs qui ont connu, des élèves qui ont connu sans que vous les puissiez les connaître. Ils sont en train de prier pour vous. Ceux-là qui savent qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Nous disons merci au Père Kiré de cette paroisse qui nous a donné des cadres avec une joie. Le sacristain qui est aussi un grand chanteur en train de faire animer. Merci. Je ne veux pas attendre à faire la messe pour dire ça. C'est maintenant les autres. Nous allons poursuivre notre action de grâce dans un cœur plus confiant encore, plus reconnaissant de toutes ces merveilles de notre vie. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui nous fait vivre, c'est ta parole qui nous fait rendre grâce aujourd'hui. Avec notre soeur papa, ami, frère, ami. Bénis davantage sa vie. Bénis davantage la vie de tous ceux qui l'entourent, de leur amour, de leur confiance. Bénis le travail, le service qu'il a fait de rendre chaque jour à tes enfants du Congo. Viens au secours de sa faiblesse, viens au secours de notre faiblesse. Donne-nous, Seigneur, la joie de t'aimer, de te faire aimer. Toi qui viens règne, le et pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, et après avoir médité sur l'événement de la fin aujourd'hui, nous allons faire des choses dans notre dynamique, faire monter notre supplication au Seigneur. Pour couvrir tous les défunts de sa famille, en commençant par ses parents, mais aussi en maintenant une heureuse mémoire. Son épouse, Maria Régisement, que toutes ces personnes
soit une mission meilleure à tes côtés, que toutes ces personnes intercèdent pour sa vie aujourd'hui, pour la vie de toute ta famille, pour ton succès, Seigneur, pour tout le monde. Et pour nous tous ici rassemblés, nous sommes venus nous témoigner notre amour. Que le Seigneur nous garde vraiment dans son amour, dans la joie et dans la confiance, dans la générosité et dans la paix, prions ensemble. Écoute, Seigneur, les prières que tu inscris toi-même à ton peuple ici rassemblée et dans ta volonté d'un des exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh,
Pour tout le monde, grâce, et tu te rends grâce pour ce que nous avons
10 ans aujourd'hui. Pour sa famille, sa compagne, nous prions Seigneur, accorde-nous la grâce infinie. Ainsi, nous tous enfants, nous implorons ta volonté. Permet avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, qui ont fait un jour de message, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons dans le nom de ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Yeah.
par le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'avons offert en acte de grâce le sacrement de notre salut à Jésus-Christ pour les 75 ans de vie sur terre de notre Père et à notre Père. Et ce sacrement nous a rendu un nouveau soutien. Accorde-nous d'être affermis par la force et la joie de tout homme, afin de pouvoir le servir avec plus d'ardeur et obtenir de nouveaux bienfaits par Jésus et Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, laissez-nous dire encore à papa de cette affaire. Félicitations pour arriver à cet âge, comme je l'ai dit, il faut aussi des privations, des sacrifices qui sont parfois liés à la vie. Félicitations. Merci à toutes les personnes qui t'ont aidé à arriver jusqu'à 17h. Et nous voulons bien chanter ce que, ordinairement, nous chantons pour féliciter ce qui fait Dieu dans nos cœurs. Il y a donné de célébrer aujourd'hui
accompagné de sa famille et de tous ses amis. Accorde-lui la paix du cœur. Accorde-lui davantage la santé physique, la santé spirituelle et la santé morale. Seigneur, je prie. TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, date, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes,